Bonsoir tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! On joue au jeu Townsman Kingdom Rebuild sur ma chaîne Pixar sur le Caribou Canadien. Allez, on part ce jeu. Wizzy the boy, what's up? Parti. Le château se trouve sur une île. Bon. Presque tous les bâtiments de Disneyland Empire ont reçu un nouveau look. Ah. C'est long. Un nouveau départ. Bon, didacticiel, ça je veux. Bienvenue dans notre humble petit village, gouverneur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis la gouvernante du château, Madame Sophie. C'est un plaisir de faire votre connaissance, sœur. La bleue. C'est un jour idéal pour faire le tour de la ville pendant que votre serviteur prenne soin de déballer votre valise, gouverneur. Par ici, laissez-moi vous montrer la partie la plus importante de la ville. Je suis point un simple servant. Je suis le conseiller du Seigneur et je l'aide dans ses tâches quotidiennes. Peu importe. Bon, il semble pas vraiment heureux. Ceci est notre petit village. Il est un peu vieux, il a tout juste assez d'eau pour la ville, mais dès lors que le nouveau villageois nous rejoindra, il nous faudra en construire un nouveau. Ici, vous pouvez voir notre cabane de pêcheurs. Pour le moment, c'est notre meilleure source de nourriture depuis que le moulin a brûlé. Peut-être que votre excellence pourra changer cela d'ici peu. Super, je déteste le poisson. Voici le château et nos maisons, monseigneur. De plus, voici l'entrepôt principal du village. Et voilà qui conclut notre petit tour. Je me réjouis d'avance de pouvoir travailler avec vous, monseigneur. Il est bon de voir que nous ne sommes pas accueillis par des fourches et des torches. Tire, après cette petite escapade, nous pouvons être heureux d'avoir un poste comme celui-ci. Et de ne pas être placé dans les gaules du roi, monseigneur. Regardez ici. Quelqu'un avec une requête. Peut-être qu'il est possible de vous le faire quelque chose. Et où la requête? Madame Sophie, le bûcheron Woodrow en a assez. Il est parti à la ville et sa cabane est désormais vide. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer de travailler dans ces conditions. Qu'allons-nous faire maintenant?
Oh, les cœurs, fils, nous avons un certain ouvrier non nécessaire au château. Je les ai vus s'attarder dans les alentours. Peut-être que notre nouveau gouverneur pourrait avoir l'insigne honneur d'ordonner à l'un d'entre eux de quitter son travail au château. Sélectionner le bâtiment et congédier un ouvrier. C'est lui ça? Pour libérer les travailleurs, sélectionner le symbole. Sommeil. Quand j'ai réussi. Les ouvriers disponibles sont affichés ici. Fermez les conseils. Ok, là en haut. Okay. Je fais quoi? Monseigneur, nous avons besoin de plus d'ouvriers afin de permettre aux constructions de se dérouler correctement. Les villageois viendront uniquement en ville lorsque nous aurons plus de maisons pour les loger. Dans le milieu de construction, vous pouvez trouver une vue d'ensemble des bâtiments, routes et décorations possibles pour la construction. Lorsque votre tâche consiste à construire un bâtiment, la catégorie et le bâtiment sont notifiés dans le menu de construction. Donc il faut une maison. Une petite maison permet de loger confortablement deux familles. Oh, les autres maisons. Jusqu'à deux travailleurs peuvent... construire des bâtiments et transporter les ressources nécessaires d'un entrepôt au chantier de construction. Les chantiers de construction peuvent être placés même lorsque les ressources nécessaires ne se trouvent pas dans le stock. Et là, je dois faire quoi, là? Et lui, il est sur la maison, ok. Attendre ce jeu. Bâtir une maison. Bon. Compléter tout. Bon. On va attendre de faire une maison. Et voilà, ça commence. Et voilà. Splendide, monseigneur. Un nombre d'ouvriers prêts à l'action est important pour une ville. Vous devrez réclamer votre récompense pour continuer. Monseigneur, nous avons besoin de plus d'ouvriers afin de permettre aux constructions de se dérouler correctement. Les villageois viendront uniquement en ville lorsque nous aurons plus de maisons pour les loger. Donnez-moi mon prix. Complétez tous les tâches accomplies ici, suivez les instructions de l'intendant, regardez par ici, quelqu'un avec une requête. Peut-être qu'il est possible pour vous de faire quelque chose.
Nous avons besoin d'une cabane forestière fonctionnelle en ville, Monseigneur. Le bois est essentiel à la construction. Les autres bâtiments ainsi que pour la fabrication des planches. Vous devrez assigner quelqu'un à la cabane du forestier, cependant. Sir, il serait recommandé de réparer la cabane du forestier. Plus un bâtiment est en déclin, plus grande sera la perte de productivité. Il peut même éventuellement s'effondrer ou un incendie peut le détruire s'il n'est pas bien entretenu. Le bâtiment a besoin d'être réparé. Certaines fonctions de bâtiment, comme réparer ou assigner un ouvrier, sont accessibles avec le menu rapide. Lorsque vous survolez un bâtiment maintenant, le bouton « Accepter » et bougez votre joystick gauche dans la direction voulue, relâchez pour valider. Salut Lucas. Salut Charlie. Salut, 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 salut. Salut Lucas. Comment, salut Lucas plutôt. Ah là. Bon, on répare. Parfait, Monseigneur, il est sage de garder un œil sur l'état des bâtiments en ville. Dans la plupart des cas, vous pouvez réparer les bâtiments délabrés par une façade abîmée et des trous présents sur le toit. Hey. Une scierie est essentielle pour notre petite ville, sœur. Elle permet de transformer le bois en planches qui est utilisé dans de nombreuses constructions. Ça m'a engagé quoi, Charlie? Essayez de construire une scierie près de la cabane de forestier, de cette façon le transport sera réduit. Il manque de bois. Utilisez le mode gomme pour supprimer des objets qui pourraient se mettre au travers de vos propres constructions. De vos projets de construction.
Fuck! Je coupe les arbres de l'autre, innocent. Allez. Salut Miscaro, comment vas-tu, cher ami? C'est bien, merci. Merci Charlie pour les retweets. Papito! Les entrepôts des bâtiments sont pleins. Attendons. C'est pas ça. Série essentielle. Je suis en train de la faire. Tu as accéléré quelque chose, maintenant? Ici, Tsipina. Ici, Tsipina. Ça va trop vite, là. Je sais pas où j'allais toucher, mais ça allait vite. Tu vas très bien. Tu es là jusqu'à quelle heure? Encore 5-6 heures, j'imagine. 5 heures. Oh, la série est terminée. Très bien, monseigneur. Maintenant que nous avons une série, nous avons accès à un plus grand nombre de bâtiments. Cet édifice est un prérequis pour d'autres constructions plus avancées. D'accord. Poids nécessaire. Bon. Toutes félicitations, vous venez d'avoir votre premier niveau. Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau, vous pouvez rechercher de nouvelles améliorations pour vos villes. Monseigneur, ne vous surmenez pas à la tâche dès le premier jour. De plus, le dîner est prêt au château. Une récompense peut être demandée dans le menu des quêtes. Merci, maître.
Bon. Une ferme. Ah, ça je cherchais. Scénario, félicitations, vous avez parfaitement fini ce scénario en complétant toutes les tâches. Scénario suivant, allez, on est capable. On est en train d'apprendre à jouer au jeu, évidemment. Surveillez tout, la production de bois, de nombreux bâtiments ont besoin de bois comme ressource. Surveillez toujours la production. Ah, faut que j'appuie. Ah, excusez. Les amis du passé, Didaxiel, chapitre 2. Il est l'heure, monseigneur. Vous n'allez tout de même pas garder le lit toute la journée. Vous avez un invité, un aristocrate est arrivé au château. Il dit que vous ne vous connaissez. Ou vous connaissez et il demande une audience. Bien le bonjour, gouverneur. Vous souvenez-vous de moi? Nous nous sommes rencontrés une fois à la cour du roi. Les villageois sont-ils au courant que vous avez été banni de la cour? Ne seraient-ils pas extrêmement déçus s'ils venaient à le découvrir? C'est bien ce qu'il me semblait. Eh bien, dans ce cas, votre petite escapade sera notre petit secret. Bonne journée, gouverneur. Monseigneur, si le village venait à prendre les charges qu'il y a contre vous, il nous jetterait certainement dans les donjons. Je ne sais pas trop, monseigneur, les charges sont fausses, mais nous avons aucune preuve pour le prouver. Cet homme pourrait bien nous faire chanter, nous devrions traîner l'affaire avec prudence. Il y a des villageois qui vous attendent en salle d'audience, ils veulent vous parler du problème de ravitaillement en ville. Sœur, permettez-moi de me présenter, je suis le fermier local. Ma ferme se situe en haut de la colline depuis ce malheureux incendie. La saison dernière, nous avons plus de moulins et mon blé reste inutilisé. Monseigneur, nous n'avons pas assez de nourriture en ville. Notre seul pêcheur ne suffira pas à subvenir aux besoins de toute la ville de cet hiver. Je vous recommande de commencer une production de pain. Et bien récemment encore, c'était ici que nous stockions les productions de notre moulin. Avant qu'il ne soit incendié par la foudre, peut-être devrions-nous construire une tour à incendie pour éviter que de tels événements se reproduisent. Super, cette ville reculée est un coup de gorge. Construisez un moulin. Est-ce que vous avez... Vous devez attendre quelque chose. Utilisez avancée rapide pour célébrer le tournoi. Ah, c'est là. Ça va pour la construction de certains bâtiments avancés. Nous avons besoin de pierres. Vous devriez considérer l'assignation de certains ouvriers à la mienne afin de pouvoir extraire les ressources dont nous avons besoin. Chaque fois que je te vois chanter, je te vois chanter la vie. Hey,
Nous n'avons plus d'ouvriers vacants. Vous devrez considérer la construction d'une nouvelle maison. Pour la construction, vous devrez congédier un ouvrier d'un autre bâtiment et rapidement assigner à une autre construction. Depuis, il est possible d'utiliser un prestige pour construire instantanément un bâtiment. Cela se passe dans le menu contextuel du site de construction. Au feu, Monseigneur, il y a un incendie. Vous devez faire quelque chose. Pourquoi n'avons-nous pas une tour d'incendie en ville? Un pompier ne peut éteindre les incendies que dans les sphères d'influence de la tour. Nous n'avons pas le temps, monseigneur. Vous devrez utiliser un peu de prestige pour finir la tour d'incendie immédiatement. Les bâtiments peuvent se mettre à brûler et s'effondrer s'ils ne sont pas entretenus. Qu'est-ce qui se passe? Allez! Parfait, c'est maintenant nous pouvons transformer le blé en quelque chose de plus comestible. La farine peut être transformée en pain à la boulangerie. Le fermier est ravi de la construction du moulin. Il vous envoie un remerciement. Il a laissé des biens pour vous. Merci infiniment, monsieur. Vous êtes un véritable héros. Et racheter et gagner des jeux, peut-être. Mano militisto. Lorsque notre pot d'un bâtiment est plein, le producteur du bâtiment est arrêté jusqu'à ce qu'il y ait du nouveau de la place. Ok. Ah. Bon, monseigneur, nous avons besoin de plus d'ouvriers. C'est fait. Je peux ramener mon prix. On rentre du boulot. C'est fait. Un peu de bois. Oh, bâtiment en feu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est fait. Euh.
Préparation de provision de nourriture. Une recherche a été débloquée. Niveau 3, réduction des risques d'incendie déverrouillé. Excellent. Conseillant, nous n'avons pas assez de nourriture en ville. Notre seul pêcheur ne suffira pas. Vous devez commencer une production de pain. Le moulin produit de la farine à partir du blé. Il est toujours utile d'avoir plusieurs fermiers pour alimenter un moulin. Si vous pouviez construire une boulangerie, je pourrais transformer la farine en pain, monseigneur. Tantôt, c'est quoi j'ai construit? Ah, c'était un moulin tantôt pour la farine. Rien que travaille là-dedans. Tu veux du pain? Excellent. Pour accélérer la construction, vous pouvez y affecter un deuxième ouvrier pour aider cela à construire son... Ouais, ici. Et voilà. Il est temps de faire du stock de pain. Nous en avons besoin pour nourrir la ville. Il faut éviter à tout prix que la population souffre de famine. Le moulin est où? Yeah.
En ce cas, nous subissons une pénurie de bois, puisque nous n'avons pas besoin pour... Nous avons besoin pour la construction d'un nouveau bâtiment, ainsi que de nombreuses chaînes de production, la série incluse. Il serait sage de construire une autre cabane de forêt. Yeah. Hey. Très bien, ça. Maintenant que nous possédons une chaîne de production complète pour le pain, la nourriture ne sera plus un souci et il ne se reste que du temps avant l'hiver pour préparer le reste de la ville. Au travail, sœur, la ville est fin prête pour l'hiver. Les villageois seront enchantés d'apprendre la nouvelle. Venez avec moi, Madame Sophie, à préparer un festin à votre honneur, Monseigneur. Très bien, Monseigneur, il est toujours conseillé d'avoir un apport constant de Boisville. Et voilà! Scénario suivant, on a encore réussi, yes! La maison de ville moyenne dispose de 4 logements familiaux et la maison de ville dispose de 3 logements familiaux. Moyenne et la maison de ville, ok. Bon. L'heure est venue de commencer. Le chapitre 3, le didacticiel 3. La trésorerie est vide. La trésorerie est vide. Nous devons faire quelque chose ou notre solvabilité en prendra un coup. Dans le sou, nous ne serons plus à la même de compléter les tâches qui nous incombent et le village ne pourra plus se développer. Les montants des écus présents dans la trésorerie affichés ici, 125. Tu pensais de faire quoi, mon cher ami? Bonne journée, sir. J'ai une demande spéciale des habitants. Certains d'entre eux sont particulièrement aisés et demanderaient des vêtements extravagants pour se démarquer. Pourriez-vous faire en sorte de mettre à disposition ce genre de vêtements sur le marché? Chaque maison fournit de nouvelles familles au village et selon le taux d'imposition génère des périodiques des pièces de monnaie. Ah! Nos villageois n'ont pas seulement besoin d'eau et de nourriture, Monseigneur. Ils ont également des envies comme posséder des vêtements sophistiqués, profiter d'une ville bien décorée ou un marché pour y pouvoir acheter des biens. Vous pouvez augmenter vos revenus fiscaux en augmentant le niveau d'imposition, mais attention, cela risque de ne pas plaire à la population. Alors, gare aux grèves. Visitez la section taxes du menu du jeu pour changer le taux d'imposition. Ici, vous disposez d'ajuster le montant de taxes dû par les habitants. Gardez toujours à l'esprit qu'un fort niveau d'imposition diminue le bonheur et la productivité.
Non. Il y en a trois qui fait rien. Il semblerait que nos habitants souhaiteraient posséder des vêtements. Le marché vous permettrait d'en acheter. Vous ne seriez donc pas obligé de les produire, monseigneur. Faut du bois. Je suis le marchand local. Tout comme cette charmante jeune fille, avant moi, j'ai une requête. Notre ville a besoin d'un marché. Cela permettrait aussi bien pour vous que pour moi d'acheter ou vendre des ressources. Ce n'est un secret pour personne. Notre trésorerie n'a jamais été au plus bas, mais il m'incombe de voir cette ville s'épanouir ainsi. Donc, je vais avancer les frais pour la construction d'un marché. Vous pouvez considérer ceci comme un investissement pour notre ville bien-aimée. C'est gentil, ça. Un don, ben merci. Bon. Ok, on attend. Sœur, j'ai pris la liberté d'acheter une petite parcelle de ville et de commercer la construction de marché. De commencer. Cela serait splendide si vous pouviez ordonner à un ouvrier de compléter la construction. Effectivement, c'est le site de construction réservé. Construisez-y un marché. Eh oui. En attendant que la construction soit terminée, essayez de suivre le travailleur pour voir ce qui se passe. Utilisez le menu rapide pour suivre le ouvrier. Maintenant, le bouton de sélection, déplacez le joystick au-dessus du bâtiment. Alors, si vous essayez de produire des vêtements en ville, vous auriez besoin d'un atelier de tissage pour produire du tissu à partir de la laine. Monseigneur, afin de produire de la laine, vous devriez assigner un berger à la ferme. Je suis préoccupé par la récolte du blé et j'aurais bien besoin d'un coup de main pour m'aider avec les moutons. C'est là pour avoir plus de blé, je comprends. Intéressant ce jeu-là, j'aime ça au bout de suite. Pas très compliqué. Pendez, monseigneur, maintenant nous pouvons récolter de la laine en plus du blé. Enragé, toi.
Bon, très bien, sir. Lorsque nous aurons satisfait un certain nombre d'envies, le bonheur des habitants aura augmenté et nous pourrions ainsi élever le niveau d'imposition sans craindre une rébellion. Les lieux publics, comme le marché ou bien encore le puits, ne peuvent satisfaire qu'un nombre limité d'habitants. Dans le menu de la construction ou dans un menu contextuel du bâtiment, vous pouvez voir combien de familles s'insèrent de bâtiments peu. Avec un marché en ville, nous pouvons espérer vendre des biens et faire profit de... Monseigneur. Pour commencer, rendez-vous au menu des statistiques et dirigez-vous ensuite vers l'onglet des stocks. Il y a une sous-catégorie appelée commerce. Le commerce est seulement possible avec un marché en ville. Sa charrette est visible devant le château. Vous pouvez aussi commencer en ascendant au menu contextuel du marché lorsque le marchand est en ville. Monseigneur, nous avons besoin d'outils pour la construction de certains bâtiments plus sophistiqués comme la taverne. Nous pourrions produire des outils ou des marchandiers ou les marchandés. Pour les produire, nous devons rétablir la chaîne de production nécessaire. Sur le long terme, il est toujours préférable de manufacturer les biens par nous-mêmes. Sir, si vous avez besoin de ressources de toute urgence, vous devriez les acheter sur le marché une fois qu'un commerçant est en ville. Au marché, nous pouvons distribuer des biens de luxe comme des vêtements ou des bijoux depuis des entrepôts. En faisant cela, nous pouvons satisfaire les envies des habitants aisés, sir. Le zoo est vide. Augmentez les taxes. C'est bon. Bon. Les choses avancent, mais votre ville est toujours en triste état. Je veux des fontaines, des murs, des pierres blanches, des arbres verdoyants, des statues. Cette ville manque d'intégration. Hey, t'aurais dû rester dans ton pays, toi. Très bien, sir. L'atelier de tissage produira désormais des tissus à partir de la laine et pourra essayer de manufacturer en vêtements en atelier du tailleur. Ah. Maintenant, avec un atelier de tissage en ville, seule l'absence d'un atelier de tailleur nuit à la production de vêtements. D'accord. On va te le faire, toi. Allez les gars, vous êtes capables. Ici, c'est Pina.
Qu'est-ce que j'ai compris? Nya. Vinik. Tim, que c'est encore à chialer, toi. Allez. On va se la finir. Bon. J'ai fait ça pour rien. Mais il manque des ans, des outils.
Donc c'était tout pour aujourd'hui pour le jeu Townman's in Kingdom Rebuild. Nous continuons ce jeu demain. Oh yeah!